Messieurs, si je vous ai tous réunis ce soir, c'est parce que nous avons en commun d'avoir misé un gros paquet d'argent sur les victoires de l'équipe jaune. Et pour le moment, force est de constater que le retour sur investissement n'est pas du tout au rendez-vous. C'est pourquoi j'ai décidé de monter une opération spéciale. Ceci est la cible. C'est la paire de chaussures d'Olga. Elles ont une très forte valeur sentimentale pour elle puisqu'elles ont été offertes par son mari. C'est pourquoi nous allons nous introduire sur le camp et les subtiliser. On nettoie et on se fait la malle. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça va, merci. Pour pouvoir pénétrer sur le camp, nous aurions besoin de la copie du badge d'un des membres de l'équipe de tournage. Ce que personne ne peut falsifier. À défaut, nous aurions besoin d'une dérogation écrite de la production nous autorisant à pénétrer sur le camp. Ce que personne ne peut obtenir. C'est pourquoi il ne nous reste plus qu'une solution, utiliser un candidat. Ou plutôt, un faux candidat. Et c'est là que notre ami Franck rentre en jeu. Il va pénétrer sur le camp à la nuit tombée en se faisant passer pour Yannick. Ainsi, il profitera de l'obscurité pour subtiliser les chaussures. Il faudra ensuite qu'il déjoue la surveillance des gardes pour rejoindre la côte sur laquelle nous l'attendrons en pirogue pour l'exfiltrer. Sans être repéré par les caméras. Exact. Depuis la saison dernière et les événements que vous connaissez, la production a fait installer un système de vidéosurveillance qu'il faudra évidemment neutraliser au préalable. Non, Franck ne pourra pas creuser de tunnel souterrain. Le temps qu'il arrive sur la côte, la saison prochaine aura commencé. Il y a des bonnes nouvelles? Oui, j'allais y venir. Le vrai atout de cette mission, c'est que Franck, en tant que faux Yannick, s'arrangera pour être aperçu par d'autres candidats quand il subtilisera les chaussures. Cela aura pour effet, en plus du choc émotionnel d'Olga, de créer un ressentiment général de la tribu envers Yannick. Les tensions vont s'accentuer, l'ambiance va se dégrader fortement et les défaites devraient arriver. Pas de questions, messieurs? Alors au travail. Mesdames et messieurs, bonjour. Et pas de temps à perdre dans cet épisode puisque les aventuriers sont tout de suite convoqués pour le jeu de confort. Comment ce qui divise rend fort? À vous de trouver la meilleure solution. Prenez garde, le totem maudit sera remis en jeu. Yannick. Je pense que c'est bien séparer les deux groupes et faire en sorte que ce soit équilibré d'un côté et de l'autre pour qu'on puisse tenir en fait. J'ai pas compris. Il y a un truc en plus. Le deuxième, il a une punition. Ouais. Oui, un genre de malédiction. Ouais, voilà. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce message leur fait peur. Très peur. Le totem maudit nous fait très peur parce qu'à chaque fois, il nous surprend. Ah, moi, à chaque fois que je vois le totem maudit, je tremble. Let's go. Je me chie dessus. Les gars, je me chie dessus. La fatigue est présente, donc c'est vrai que si je vois de la nourriture, je suis prêt à me dépouiller. Je prends des coups. Motivé, motivé. Motivé. Arrivé sur le lieu de l'épreuve, les jaunes ont un petit peu de mal à deviner qui a été éliminé. C'est comment? C'est Ambre. Ouais. Non, voilà. C'est Pauline. Non, lié Pauline. Bon, alors on se concentre deux secondes. Moi, je pensais la barre, c'est sûr. C'est bon. C'est la femme à Georges Moustaki. Voilà. Vous allez pouvoir, en cas de victoire, profiter d'un vrai plus en termes de confort sur votre camp. Vous pourrez profiter de nattes très confortables. Des fauteuils en bois flotté, un hamac biplace, des coussins, tout ça pour faire un camp IKEA. Et cette épreuve sera une épreuve de tir à la corde au bout de laquelle seront suspendus deux aventuriers de chaque tribu. Chez les rouges, Jean-Charles ne va pas pouvoir prendre part à cette épreuve. L'un de vous cinq ne disputera pas l'épreuve. Il n'y a pas de débat. Ces débats sont toujours des moments démocratiques importants. Pas de débat. Donc les deux plus forts vont avec Seta et les deux moins forts vont avec... Voilà, il faut qu'Olga ne soit des côtés des moins forts. Si vous me dites de la faire moins fort, je la fais moins fort, ouais. Placez-vous sur la ligne de départ. Je t'ai vu. Top, c'est parti. Là, je commence à lâcher, ok? Non, quand je le dis. Mais quelle icône, celle-là? Non, mais... Top lâcher. C'est le moment de changer la couche. Je vais vous demander de choisir une personne qui va quitter définitivement ce jeu. Maxime, tu te sens comment? Ça va encore? Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Allez Maxime, allez! Tiens Maxime, tiens, c'est le dernier effort. C'est la dernière fois, après j'arrive. Là vraiment mes mains j'arrivais plus à les serrer et bah, c'est un vrai regret que j'ai pour tout le monde. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux
trop cruel. Les jaunes l'emportent donc et décident de désigner Maxime et Jean-Philippe pour se rendre sur l'île maudite. De retour sur le camp des Rouges, Fouzi est un petit peu saoulé des défaites à répétition. Et quand on se rappelle qu'en début de saison, il se comparait à Kylian Mbappé, on se dit finalement qu'il avait pas complètement tort parce qu'il y a quelques similitudes. Hein. J'ai la haine. Franchement, je suis dégoûté, j'en ai marre de perdre. Je déteste perdre. Et là, franchement, je commence en même temps à en avoir un peu ras-le-bol de voir que personne est dans le même état d'esprit que moi, je ne comprends pas. On dirait que tout le monde accepte la défaite, je suis un peu au bout du rouleau. En rentrant sur leur camp, les jaunes découvrent tout leur ameublement. Ils ont donc très envie de monter tous ces petits meubles, et il y en a 2-3 qui ont envie de démonter Yannick. Il a tendance à un peu casser l'ambiance, quoi. Le respect du smoothie. N'en perds pas, frère. Ouais. Personne ne me parle, laissez-moi tranquille. Essuie sur le... Vas-y. Mais attends, t'as vu comment tu me parles? Et puis surtout, bon, je veux pas parler du fait qu'il fait pas grand chose sur le camp. Quoi, j'ai dit ça à voix haute? Bon, et là, on va parler de ce qui est en train de se passer sur l'île maudite. Et je sais très bien que vous l'attendez. Je le sais que ça vous a manqué. Alors, puisque je vous fais plaisir, faites-moi plaisir aussi. Un petit pouce bleu pour encourager le lancement. Allez, c'est parti. Pendant ce temps, à Veracruz, sur ce bout de sable et de mangroves encerclés de falaises, ont été cachés 2 talismans de pierre sombre. Vous l'avez donc compris, les 2 aventuriers doivent trouver 2 talismans. Et Maxime décide de chercher partout, sauf là où il faut chercher. Vas-y, va voir la cabane. Moi, okay. Je sculpte ça. Pourquoi faire ? On veut pouvoir revenir demain et leur annoncer pour qu'ils aient le sourire qu'on part sans désavantage. Donc en tout cas, là, clairement, jusqu'à la tombée de la nuit, on va rien lâcher. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Moi, je suis comme quand on fait des jeux où on est enfermé dans une pièce, on doit essayer de s'échapper. C'est pas commencer à jouer avec mes couilles, hein ? On va pas commencer à fouiller les fourrés sans indice. Pour moi, je pense qu'il y a des indications. Peut-être que je me trompe. Tu te trompes ? En fait, j'arrive pas à savoir si c'est juste recherché. Si on va trouver d'autres indices quelque part. J'ai pas compris comment t'as pas compris en fait. Sur ce bout de sable et de mangroves encerclés de falaises, ont été cachés 2 talismans de pierres sombres. Pourquoi forcément un mot compliqué qui veut rien dire? Il l'aurait appelé la coupe ou le vase, on serait fixé. Vous voulez dire qu'on l'aurait trouvé? Ah non, mais on serait fixé. Ça me paraît fou qu'on nous dise chercher dans toute l'île. Non, vous ne rêvez pas, le gars cherche dans la cabane. Peut-être que j'ai tort, hein. Le truc c'est que... si je vérifie pas, je vais m'en vouloir. Bah oui, attends, pourquoi pas? Et t'as pensé à regarder dans ta poche aussi, au cas où il soit dedans? Après, comme il y en a 2... Si ça se trouve, ils sont les 2 ensemble, hein. Tu penses? C'est possible. Vous êtes désespérant. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. J'essaye de regarder uniquement au sol. Je ne pense pas qu'il puisse être forcément en hauteur. Tu te trompes. Je fouille. Oh! Quoi? Rien, rien. Je m'entraîne pour quand je trouverai un truc. Caillou sur caillou. Caillou sur caillou. Ok, donc c'est plutôt marron. Le plus grand des détectives. Oui, c'est lui, Sherlock Holmes, le voici. Et la chance finit par tourner pour JP, le chat noir de la saison, puisqu'il trouve le 2e talisman. L'occasion pour TF1 de nous permettre de faire plus ample connaissance avec JP. Je pense que j'ai un beau talent de persuasion. Les Grossman. Écoutez, je pense que pour la cuisine, on va privilégier le rouge. Vous aviez choisi du vert, mais je peux vous assurer qu'il ne va pas du tout. Excellent. Une minute, hein, je note. Faites-moi confiance. Oh, attendez! J'ai une meilleure idée. À la place, je vais vous envoyer une photo dédicacée de mes couilles. En attendant, et selon la formule consacrée, va te faire enculer grave! On ne négocie pas avec les terroristes. Non, c'est plutôt dodo, parce que les enfants, ils peuvent pas rester devant la télé jusqu'à 23h30 le mardi. Eh bah, bonne nuit à toi. J'espère surtout qu'il va pas pleuvoir cette nuit, clairement. Bah, le ciel est bourré d'étoiles, à mon avis, je pense pas que ça éclate cette nuit. Non, moi non plus. Là, du coup, c'est une catastrophe, c'est l'horreur, le plancher va être trempé. Et c'est l'heure de faire une petite pause dans la vidéo pour vous dire que si vous êtes en train de kiffer, c'est le moment, manifestez-vous, vous pouvez liker, commenter, partager. Et vu que quasiment la moitié d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonné à la chaîne, je vous rappelle que c'est très important. Vous pouvez donc faire grandir cette chaîne et elle en a vraiment besoin. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez juste sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Je remercie chaleureusement les tipeurs de la semaine, gros cœur sur vous. Et si vous aussi, vous voulez en faire partie, rien de plus simple, vous pouvez me laisser une petite pièce dans le chapeau sur Utip. Ou Tipeee en cliquant juste ici.
Le lendemain, chez les Rouges, c'est la merde. Car ce matin, rien ne va. Le feu s'est éteint. Si de ton côté, le feu s'est éteint, la moindre des choses, c'était de m'informer. Et chez les Jaunes, c'est la merde aussi. Les Jaunes ne sont pas en meilleure forme que les Rouges. Je t'ai vu. Ils ont perdu le feu. La moindre des choses, c'était de m'informer. Et bien plus. Quoi ? Qu'est-ce qui peut être pire que perdre le feu dans Koh-Lanta ? Je trouve pas mes baskets. C'est mon mari qui me les a données pour que je sois enfant. J'ai l'impression que j'ai plus de force là. J'étais comme une championne jusque-là. J'essaie de lui monter le moral comme je le fais d'habitude en lui faisant des blagues. Ça a plutôt bien marché. Vous auriez une bonne blague à raconter. En même temps, t'auras pas deux fois l'occasion d'oublier tes chaussures qui seront avalées par la mer. Ça n'est pas drôle. Les deux tribus sont ensuite convoquées pour l'épreuve d'immunité. 3, 2, 1, go ! Tout droit ! Accélère ! Reviens, reviens, encore, 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 encore ! Accélère ! Accélère ! Accélère ! First things first, I'ma say all the words inside my... C'est plus vite, plus vite, c'est du sprint ! Voilà, super, accélère, accélère, accélère ! Retourne sur Hamilton sur l'extérieur ! Hamilton, ça va se positionner ! Bon, il referme la trajectoire derrière, Verstappen ! Des Rouges, Maxime patine et prend du retard. À gauche, 4, voilà, à gauche ! Devant toi, devant toi, devant toi, mais devant toi, devant toi. Ça va pas. Les gars, soit on parle tous en même temps, soit il y en a un qui parle. Donc vous me donnez les conseils et je répète, ou alors on fait pas ça. Oh, oh, toi aussi tu vas descendre d'un étage. Ah, oui. Quand tout à coup... Ok, il faut aller chercher les deux chapeaux. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François. La victoire pour les Rouges. Ne la touche pas ! Bande d'enfoirés ! Ce sera l'exécution sommaire pour vous tous jusqu'au dernier ! Et après cette épreuve chez les Jaunes avant le conseil, c'est la guerre totale. Il y a Benjamin contre Alexandra. Clairement, non, j'ai pas été bonne. J'ai pas compris comment t'as pas compris en fait. Oh, je ne comprends pas. Bah oui, bah j'ai pas compris. Donc je suis pas non plus complètement la dernière des gourdes. Et puis en fait, humainement, enfin voilà, on est aux antipodes. Quand j'ai quelqu'un avec qui ça fit pas, en fait, ça devient épidermique, quoi. Donc, peut-être que c'est même too much. Je parle un peu le français et aussi un peu l'anglais. Nicolas contre Stéphanie. Stéphanie, elle est plus fourbe. Oh, t'as jamais vu ça? Elle va tout chercher, presque elle fait des massages. Là, ah, je te tiens ton verre. Tiens, non, je te donne ma part de rire. T'as nommé le choc. Elle sait pas nager. On a pas encore fait une épreuve aquatique. Quand on va y aller, ça va être un carnage, une boucherie. Pff, allez, oust, dehors. Et Yannick contre Olga. Elle m'a dit que j'étais très directif, que je donnais beaucoup d'ordres. Donc évidemment, tu me connais ? Voilà, donc tu me connais pas ? Non, pas du tout. Je te connais pas non plus. On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Et j'aurais voulu savoir si c'était une perception globale du groupe. Découvrons-nous ensemble. Tu pars du principe que si tu dis un truc, t'as forcément raison et tout le monde doit s'y plier. Et le truc c'est que t'es pas le mec le plus actif sur le camp, t'as jamais fait à bouffer. Moi je rejoins un peu Colin sur l'idée, c'est que sur les épreuves t'es à fond, t'es au taquet, etc. Sur le camp c'est vrai que t'es quand même pas mal absent. Moi si je te donne ma perception c'est que ouais bah t'es peut-être plus là que là. J'aurais voulu savoir si c'était une perception globale du groupe. La réponse est oui. Étant donné que Zeta a un collier d'immunité... Non mais c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Est-ce que c'est pas le moment de faire peur à Zeta ? Mission accomplie. Les Jaunes se rendent ensuite au conseil et on a eu le droit à une soirée un petit peu mouvementée. Un seul qui parle, c'est la stratégie que j'ai proposée initialement. Je l'ai répété 2-3 fois. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute ? Dans les deux équipes, que ce soit la bleue ou dans la tribu jaune, qu'il le sente pas, lui dire quand il a raison, le féliciter quand il fait les choses bien. Il y a un oiseau, je sais qu'il y a un oiseau. Je sens la présence d'un oiseau. J'ai pris sur moi pendant les 11 jours d'aventure parce que je me suis dit c'est important qu'il se sente bien.
Là, les chaussures, chaussez vos envies. Le premier vote se termine par une égalité entre Benjamin et Stéphanie, il faut donc revoter. Le deuxième tour se termine également par une égalité. Denis va donc procéder à un tirage au sort. Et suite à ce tirage, c'est donc Benjamin qui est éliminé. Ouvrez ! Stéphanie ! Je suis tellement contente. Vous êtes éliminée de Koh-Lanta. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Et quant à moi, je vais chercher les deux chapeaux. Oh putain, j'y vais tout de suite. Des fauteuils en bois flotté, un hamac biplace, des coussins, tout ça pour faire un camp. IKEA.